et j'ai appris une nouvelle technique. Attention, Mudada! Eh ben ça a raté. Pas. Ah voilà, ok. Mudada! Ah putain, ça a pas fait la multiple. Tant pis, ça a pas fait la multiple. Tant pis, bah je montrerai pas la bonne technique. Allons-y, j'espère qu'on entend ma voix par rapport à la musique. Allons-y, hein. Peut-être baisser un poil, mais voilà, impeccable. Là, normalement, on devrait être équilibré. Ok. Mudamudamudamudamudamudamuda. Et on a appris des nouveaux mots aussi. C'est vrai. Comment? Pourquoi? Mudamudamudamudamudamudamuda. Très bien. Allons-y. Est-ce qu'on se fait une petite run d'échauffement, hein? Je dirais pas non, hein. Avec la bonne musique dans ce cas-là. La bonne musique, hein. Donnez-moi une musique qui me parle. Et ben vendu. C'est parti. Mudada. Bien joué. Fire Circle. Impeccable. C'est vrai que j'ai ça. Tour. Raté. Ah. Ils sont chiants. C'est bon. Ah, bien joué. Tac. Ah putain. Échec et mat. C'est bon. Ah non, mon combo. C'est bon. Muda. Impeccable. Tac. Pac. Damn.
punch! Ok. Pec, 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 pec! Coco 2! T'as même pas eu le temps de réagir. Ah merde. C'est le village de base, ça. Tac. Coucou deux. Oh là là, cet Exacast qui tue dans mon dos. Tellement beau. Tac, on reste en combat et ça pour trouver notre prochaine cible. Impeccable, ils sont là. Ah, bien joué, deux attaques. Pec! Ça passe. Punch là! Coucou d'air! Ah bien. Tac! Oh, la parade parfaite, mon gars! Ouh. Raté. Bon. Bien joué. Mais bon. Tant qu'on intéresse au moins un ennemi, on est toujours en mode combat. Et toujours être en mode combat, ça veut dire que on perd pas le multiplicateur, le bonus, les plantes et tout le bonheur. Oh là 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 là! Putain, il balance des sorties là, je dois trier des cônes zéro. Hein. Putain, il m'agresse! Coconé! C'est bon. Gros sandwich! Pardon madame. Ouah, je me suis pris la patate. Ok, ils sont peut-être un peu nombreux là. Tech. Ça touche mon gars. Double hit. Direction, bien joué, belle défense. Belle défense de la part du joueur français. Coconner. Ça me break. Allez, à toi salope. Tech. Et voilà.
Mais excuse, hein. Petit coup de pression. Level up. Fou. Yatazo. Comme je suis arrivé dans un village, ça a automatiquement annulé le combat. Fou. Eh ben, ça a droppé dur, hein. C'est bon. Je suis chaud. Quoique, il faudrait peut-être que j'achète des sandwichs, non? Oui, sans doute. Bonjour. Ah ben c'est bon, j'en ai 26. On prend 10 de plus. Ça fait pas de mal. Oublie pas que t'as la régène en skill. J'ai pas encore acheté. Il me manque un point, souviens-toi. D'ailleurs, ce point, est-ce que je l'ai obtenu? Quatre points, oui! 50% de régène de points de vie en combat toutes les 60 secondes. Oh là 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 là. Oh, paix. OP. OP du cul. Alors, je cherche, hein. Ça va venir. Non, ça se pourra pas. Écoute, ça le fait. T'as pas de version en master de Easy, j'imagine, bien sûr que si. Craqué. Allons-y. Oh là là! Ah non, pourquoi t'as pas fait le cocoda? Putain, ça touche avec deux éclats. Mais regardez ma vie qui remonte! Ah putain, les explosions! Oh la vache! Ah! Cocodé! Muder! Ouh la barre! Muda. Ok, on a vaincu ce couple. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce nom à la con qui savait ces monstres au passage? Ah! Esquiver. Oh. Il est breaker. Ouh. Léa. Très bien. L'arbre est déjà à moitié soigné. Ah merde. Ok, je vois.
Putain! Ah oui, bien joué. Ah. Putain. Ah, ça devrait suffire pour ce niveau, n'est-ce pas? Au passage, est-ce que tu savais que les vers, ça avait 5 cœurs? Genre, les vrais vers de terre. Comment? Je veux dire, ils sont pas aussi complexes que des cœurs humains, mais quand même. Ah, ça te fait poser des questions sur l'anatomie de ces vers des sables. Au revoir. Non? Au revoir. Une héroïne muette, elle est pas exactement muette. Elle a 5 mots, et c'est in-game logique qu'elle puisse pas parler. C'est-à-dire son module de parole dysfonctionne dans le jeu, et il y a d'autres joueurs qui sont affectés par ça, du coup elle peut que hocher la tête ou dire quelques mots comme « Bonjour, au revoir, Léa, comment, pourquoi ?» Voilà, c'est pour ça. Et Léa, c'est son nom. Léa. Voilà, c'est pour ça. J'ai rajouté celui-là parce que ça me fait plaisir. Muda. C'est tout. Mais rigole, mais elle est légite et les petites expressions que je rajoute sur le bouton. Bonjour. Paradoxalement, ça rend les scènes beaucoup plus drôles. C'est parti. Puis elle est tellement mignonne, tu peux pas lui en vouloir. Ah. Chier. Non, c'est trop complexe. Non. Putain, il a refusé de lire la suite. Ok, attendez, laissez-moi. Enfin, sinon, on s'en sort plus. Allez, vendu. Pas. Ouh. Ah. Oh. Ça doit être le boss. Est vendu. Le boss. C'est parti, t'es prête? Léa. Parfait, je prends ça pour un oui. Muda. Qu'est-ce que... Alors, foiré, bien joué. Putain, il est plus rapide que moi! J'imagine que le résidu de Tim, c'est l'objet étrange que le garde veut voir, n'est-ce pas? Ok, alors il faut retourner...
Ah, un appel? Je te laisse le prendre. Léa, chérie! Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis de retour. Attends, c'est qui, ça? Bonjour, je m'appelle Citron et... Ah, t'es l'autre membre des premiers érudits, non? Oui, c'est bien moi. Très bien, alors tu vas nous rejoindre, n'est-ce pas? Oui, en fait. Vous êtes où, tous les deux? Léa et moi, nous sommes dans la caverne marron et... La caverne de l'arbre marron? Attendez, vous avez commencé cette quête? On l'a presque fini en fait. Oh, je voulais la faire avec vous. Désolé, on savait pas que t'avais planifié ça. Non, c'est pas grave, pas de problème. Je vais bourrer la quête et je vous rejoins à la sortie. Vous m'attendez, ok? Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Ah merde, je me sens mal maintenant. Tu veux dire, je devrais pas me sentir mal? Ouais, bon ben... Je veux dire, il faut qu'on rentre juste à l'entrée de la caverne, n'est-ce pas? Et qu'on montre l'item au garde. Je pense que l'intérieur de la cave est instancié, donc on pourra la rencontrer qu'à l'extérieur. Qu'on me confirme, il n'y a pas d'item ici, hein. Oui, il s'appelle Citron, du coup Citron. C'est Citron, en fait. Il s'appelle Citron, ça, je trouve ça pas mal. Le mec doit s'appeler Capucin, hein. Faut absolument rajouter « je vois » Léa, d'accord, on le fera. Parce que « je vois », ça m'a l'air parfait. J'essaierai de le lier au bouton du milieu de ma Xbox. Le « je vois ». Ouais, t'as loupé que le donjon, tout va bien. Que des méchants, on leur a roulé sur la bite. Il valait rien du tout, il valait rien du tout. Humain! Est-ce que vous avez tué tous les vers de terre? Je vois, vous avez l'item, l'objet étrange. Donnez, donnez, donnez! Étrange, bizarre, précieux pour l'arbre marron. Le mettre dans le sol, ça va être poussé. Attendez, j'imagine que c'était du caca en fait. Bonne chose qu'on s'en soit débarrassé. Humain! Donnez-moi le pass! Le pass de l'ancienneté! Je fais une note pour l'ancienneté. Voilà, vous pouvez avoir la bouboule magique. Merci pour votre aide. Au revoir, humain! Bonjour! Ah, je vous ai, espèce de petit fuyard. Bonjour. Hé, hey, Emily, c'est ravi de pouvoir se rencontrer enfin. Oui, oui, un plaisir. Et désolé, on t'a pas attendu. Non, c'était pas grave. De toute façon, je fais jamais des plans, de toute manière. Et je peux comprendre pourquoi tu essaierais de jouer en plus. Je veux dire, j'ai été offline pendant un sacré bout de temps. C'est juste que... il fallait vraiment que je termine mon projet d'école et... Ah, tes études t'occupent, non? Oui, oui, et tu sais même pas la moitié de l'histoire, n'est-ce pas, Léa? Léa. Dans tous les cas, mon boulot est terminé, j'ai plein de temps libre, alors je suis prêt. Je vais essayer de faire en sorte de finir cette cave aussi vite que possible. Oh, sans problème, on se retrouve à Bakikoum du coup, juste en face du centre à quête, d'accord? Très bien, je vous vois tout de suite. Bonjour, au revoir. Eh ben, elle est pleine d'énergie. Quoi qu'il en soit, pas de raison de se presser, il faut retourner à Bakikoum, ok? Allons-y. Et on va tuer des trucs sur la route. Allons-y. En est sous la mort! En est sous la mort! Coconner! Il m'avait pas rejoint encore. Raté. Tac. Roé sous la mort.
t'as pas l'intention de t'arrêter, hein? Muda. Cette derviche, mon gars. Ça tourne bien le sec, hein. Ah, tant pis. On a fini. Muda. Pas la suite. Oh bah tiens. Drop. Muda. Mono Tazu.
voilà. Phew. Nous y voilà. Il semblerait qu'Emily soit encore occupée à la cave marron. Je vais faire un tour au marché. Tu veux me rejoindre? Ah, c'est toi. Bonjour. Tu cherches mon ami? Il est pas là, je vais le rejoindre bientôt cependant. Vous avez fait un duel, non? Et t'as même réussi à le vaincre, hein? Il était impressionné. Dans tous les cas, il parle beaucoup de toi. Ça me rend presque jaloux, tu sais. Une femme avec peu de mots, n'est-ce pas? Plutôt timide, n'est-ce pas? T'as pas l'air d'apprécier ses attentions. Qu'est-ce que je peux dire? C'est juste ce gars-là, hein? C'est lui. Toujours obsédé avec les étrangers, surtout les sphéromanciens. Tu préférerais l'éviter, non? Vaudrait mieux se tirer d'ici avant qu'il tombe dessus. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Ah, te voilà. J'étais juste en train de regarder les objets. C'est plutôt marrant de voir à quel point ils peuvent décorer ces simples objets juste avec des fruits, non? Elle se cache. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Tu peux quand même compter sur tes doigts, non? Très bien. C'est plutôt impressionnant à quel point ils ont réussi à synchroniser ta dextérité, tu sais ça. C'est-à-dire que tu peux bouger tes doigts aussi bien que tu peux faire dans la vraie vie. Tu veux essayer? Essaye ça. Et ça. Et ça. Hop. Et... Ouais, c'est vrai que celui-là, il est pas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, tu peux essayer d'imiter des choses avec tes mains. Peut-être essayer un langage des signes. Enfin, ce serait chiant de l'apprendre, j'avoue, mais... Et c'est vrai que les autres joueurs connaissent pas forcément le langage des signes, mais... on n'aurait pas ce problème si simplement ils avaient un système de communication basé sur le texte. Mais ils l'ont viré à cause de l'immersion. Les gens se sont plaints de ça avant, hein. Ah. Je l'ai fait! J'ai vaincu le ver rouge, enfin! Félicitations! Mais putain, qu'est-ce qu'il était chiant! Ah! Tellement dur à taper! J'imagine que les projectiles, c'était plus faisable. Je suis un pentafiste, hein! Tu crois que mes points, ils sont pour quoi? Eh ben, bon, je vais retourner à Bakikoum, je vous vois tout de suite! Au revoir! Ok, retournons au truc de quête, alors. Y'a un problème, Léa? Allons-y alors. Évidemment. C'est garanti. C'est garanti. Sphéromancienne aux cheveux bleus. On se retrouve à nouveau. Bonjour. Désolé, il vous a vu quand vous étiez en train de partir. J'avoue. C'est stylé, hein. Ça lui va terriblement bien. Bonjour, je suis Citron, j'imagine que vous vous connaissez. Je vois que tu t'es trouvé un autre membre d'équipe, sphéromancienne. Léa. Quoi qu'il en soit, ravi de voir que tu as progressé dans le jeu. Il est temps de mettre tes talents à rude épreuve à nouveau. Sphéromancienne aux cheveux bleus, je te challenge à un autre duel. Léa. Et je suis là. Oh mon dieu, non. Non, c'est monsieur tête d'herbe. Tête de bœuf. Est-ce que tu acceptes? Sphéromancienne Léa. Un autre duel? Allez Léa,
Il mérite encore un petit bottage de cul, je sens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Tu as l'air moins volontaire cette fois-ci. Acceptes-tu, sphère romancienne? Léa. Sérieusement, c'est débile. Parle-lui avec son nom, putain. Est-ce que c'est vraiment si important? Très bien. Accepte ce duel. Si tu réussis à le remporter, je pourrais peut-être éventuellement dans un autre monde avec l'alternative possibilité de t'appeler avec ton nom. Acceptes-tu? Très bien. On se retrouve en face du temple de Fajro. Je t'attendrai. Sois en sorte d'être prête. À la revoyure, sphère romancienne. Au revoir, Léa. Vraiment, je me demande pourquoi je me fais chier avec ce gars, parfois. Enfin, à la revoyure. Je suis confus, c'était qui? Oh, juste un mec de la justice, prétendu. Il pense vraiment beaucoup de bien des sur-romanciens. Mais Léa lui a poté le cul. Je vois, un personnage particulier. Oui, c'est un imbécile. Quoi qu'il en soit, il est temps de faire équipe à trois. Le fameux ménage à trois. Pourquoi tu dis ça avec un accent anglais? Parce que je suis française. Enfin, finissons cette quête qu'on puisse aller au temple de Fajro. Compris, on devrait parler à l'ancienne. L'ancienness, mais oui, allons-y, monsieur Trony. Bon. Gros enjeu. Aucune quête en cours. Pour l'instant, nous avons tout fait. À part celle-ci, mais bon, il me faut les pouvoirs, j'imagine, phénoménaux pour pouvoir faire face. Ah, quoi que je pourrais parler à monsieur Summers. Ouais, donc bah, écoute. Ok. Allons parler à l'ancienne. Très bien. Rien à dire, Bob a déjà fait la blague. Bien sûr. Ménage à trois. Chère humaine, avez-vous vaincu les maudits sphères des sables en dessous de l'arbre marron? Je vois la note sur votre passe. Merci beaucoup, humaine. Grâce à votre aide, l'arbre vivra encore plein d'années, beaucoup. Voici le truc brillant en récompense. Vous pouvez aller à statue magique pour recevoir la clé au temple magique, la grande sablière. Fort aimable. Hey, il faut remercier les Vers des Sables pour nous permettre de garder des relations diplomatiques valables avec les Chads. J'avoue, c'est un peu cynique, mais c'est valide. Arrêtez, moi j'adore les piafs. Ils sont fantastiques ces piafs lézards. Sincèrement, ils déchirent. Bonjour. Léa, c'est bien d'être avec toi en Crossworld, mais on pourrait pas te parler directement, non? Bonjour. Oui Léa, pourquoi tu m'appelles? Je suis dans ton équipe, non? Très bien. Bonjour. Ya, bonjour, vous êtes entré dans la vallée de Marron. Je vois, les ennemis sont assez chiants. Il faut les frapper dans la bouche, ya. Bonne chance. Allons-y. Équipe à 3, je me demande comment ça marche. Hein.
Ah! Allons-y. Ah. Nous y sommes. Bonjour. Très bien. Bien. Nous y sommes. Ok. Merde alors. Merde alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit de faire en dernier? Parler à la statue divine, mais oui! Ah ah! Oula. Ton voyage t'a apporté dans ces champs sans vie. Entouré par du sable sans fin, je t'offrirai l'ombre, le fragment de ce sable. Il ouvrira le passage vers le temple de Fajro. Voyageur, envoyé du changement, ta prochaine épreuve t'attend. Fort aimable! Fort aimable. Ok, moi j'ai l'ombre du sable.
Oui, je me demande si on va se battre contre ces espèces de gros piafs de l'espace. J'ai pas entendu parler de ça, non. Ah, alors c'est ton premier... C'est ta première fois que tu joues à Crossworld aussi? Ouais, moi aussi, mais j'ai connu des gens qui ont joué depuis plus longtemps. Ah, comme les autres membres de la guilde? Non, non, pas eux, je les connais pas personnellement. J'ai rejoint les premiers érudits parce que ça avait l'air fun. Et puis, ils sont pas vraiment full gameplay, tu sais. C'est marrant comme, Lynn, elle essaie d'avoir tout le lore et d'extraire tout le lore et le jus du lore du jeu. Oui, j'ai remarqué ça. Ah, je suis tellement impatiente d'atteindre les niveaux de Lucas et des autres. Et puis on pourra faire plein de trucs d'event en guilde, des raids, ce sera trop bien. Ouais, ça a l'air fun. Ensuite, c'est le temple de Fajro. Et le duel? Ah oui, c'est vrai. Oh, il va falloir que tu frappes ce mec tellement fort dans le fion que le mot Léa, il sera imprimé jusqu'au bout. Comme tu le dis, Léa. Léa. Exactement. Ouais, bah, il faudra faire en sorte que tu sois bien prête. Tu sais, résoudre quelques quêtes, finir ton équipement, tout ça. Tu l'as entendu, allons-y. Oh, je peux changer mon équipe à volonté. Merci, contente d'avoir pu te rejoindre. Bien sûr, je vais rejoindre si ma magie, elle t'est utile. Oh, déjà? Bon, bah, on se voit à la prochaine. Ouais, c'est l'heure de la fête, allons-y. Impeccable. Bah, je suis prêt, hein. Je veux dire, C'est sûr que la Hidden Blade, à la rigueur, un peu changer la Hidden Blade pour les disciples Govs. Ce serait pas plus mal, hein, ce serait pas plus mal. Je perds un peu de dégâts, mais je gagne masse de défense, hein, et c'est notissable. Alors, on va faire ça. L'armure de bronze. Qu'est-ce qu'elle fait, cette armure de bronze? Elle me donne Lucky Lucky. Ah ouais, mais Lucky Lucky sera pas utile. Je vais prendre le sachet pété. Et enfin, les anciens skates, skate pour le sol, c'est nickel. Impeccable. Ce jeu est fun. Il m'a fallu 11 heures pour m'en rendre compte. Hein. Ah, c'est sûr que mes dégâts en prennent un coup, hein, mais bon. Ah, j'aime pas beaucoup ces tortues, elles sont difficiles à frapper. C'est bien vrai, et aussi Emily, ce sont des tortues de mer. Enfin non, ce sont des tortues de terre. Les tortues de mer seraient en mer. Et ça s'appelle des drillers. Enfin, des tortues, d'accord, c'est intraduisible. Intraduisible pendant que je me bats si tu veux. Mais elle est bien sa magie opti. Yeah, on déchire tout. Dada! Vous d'atteindre le bâtiment de la grande sablière. Très bien. Plus tard. Oh. Allons-y. La musique était toute douce, c'est normal. Ok, allons-y. Ok, on a tout. Allons-y. Ah, les vraies musiques. Les vraies musiques. Sphère romancienne aux cheveux bleus. Je vois que tu es enfin arrivé. Il est l'heure de notre duel. Et l'endroit est parfait. Ah, tu cherches l'attention des autres joueurs, non? Bien sûr. Il veut son public, j'ai pas réussi à l'en dissuader, croyez-moi.
Ok. Allons-y. Léa. Je vois que tu es prête. Tu es prête pour le duel? Très bien. Alors, allons-y. Bonne chance. Ha! Montre-lui un petit peu qui c'est la patronne. Moleste-le. Tu es prête? C'est parti. Duel! Bonne chance, Léa! Du temps s'est écoulé depuis notre dernier duel. Nos personnages ont évolué et nous avons atteint l'illumination de la chaleur. Et pour moi, Apollo, je vais faire en sorte que tu sois encore sur le droit chemin. Le chemin d'une sphéromancienne digne. Oh mon Dieu, mais comment ça te bat, putain? Le chemin de la justice! Duel-le! Pas mal. Ce n'était qu'un échauffement. Mais maintenant, les choses vont vraiment se réchauffer. La musique qui change. T'as vraiment fait cette blague de merde? Ah! K.O. Voyons voir si tu peux gérer ma stratégie secrète. T'as cette hype. Ah. Cocodeur! Ok, fin de la vanne maintenant. Je me bats pour de vrai. Ah! Je ne te laisserai pas gagner si facilement. Ce n'est pas fini! Tu l'as presque, Léa, vas-y! Allez, rapide! Oh! Allez, frappe-le encore, Léa, tu peux le faire! T'as encore beaucoup à apprendre. Ah. Ok, il est temps d'en finir.
Ah la vache, c'est juste trop fort. La vache. Oh, il est fort le fils de pute. Dans ce cas-là... Ah, je l'ai pas. Oh, putain, je l'ai pas. C'est sérieux. La remontada, oh, mais... Ah putain, en plus, il y a des ouvertures qui sont pas évidentes, hein. Oh là, il te respecte tellement plus, j'avoue. J'avoue, il m'a mis la max, hein. Mais bon, c'est l'heure de la vengeance. Avec ça, ça passe. Avec ça, je suis invincible. C'est la max. Ok. Fou. Complexe, hein. Merci les gens. C'était pas évident. 5 à 2, ça s'est mieux passé. Il fallait juste être plus agressif. Tu as beaucoup grandi. Je suis impressionné, Sphérobe ancienne. Léa. N'oublie pas ta promesse. Très bien. Tu mérites d'être appelé par ton nom dorénavant. Sphérobe ancienne, Léa. J'attends notre prochain duel avec impatience. Oh, est-ce que ça veut dire qu'on peut enfin jouer ensemble comme on l'avait prévu? Ouais, désolé, t'auras fait attendre. Ouais, bien, allons-y. À la prochaine, sphéroman ancienne Léa. Au revoir. Félicitations, c'était très impressionnant.
Ouais, tu lui as montré un petit peu à cette tête de bœuf qui c'était la patronne. Bon, notre prochaine étape, ça devrait être le temple de Fajro, non? Exactement. Ah, il est temps de notre troisième course de donjon. Ah, vous faites la course des donjons? Ouais, on fait les courses des donjons depuis le début, qu'on s'est rencontrés dans le pont des débutants. Ah, ça a l'air marrant. Ah, j'imagine que j'ai pas de place dans votre compétition. Et alors, Trony? Bah si, tu peux participer, fais la course. Allez, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas, Léa? Eh ben, si ça vous dérange pas, allons-y. Fantastique. Ah, je suis impatiente. Peut-être que Léa veut se reposer un peu après le duel, non? Ah oui, bon bah, dis-nous quand t'es prête. Tu veux les infos de la course? Ouais, ça m'intéresse si t'as les limites de temps et tout ça. Je trouve ça ouf. Vas-y, Simon des Killers, PPT. Garde la safe pour faire le duel, exactement. Le temple est séparé en deux moitiés. Le premier est à 50 minutes et deuxième à 60. D'accord. Donc il faut que je fasse un sub 50 minutes, on est d'accord. Ok. Très bien. Allons-y. T'es prêt pour la course du temple de Fajro? Okidoki. Tout le monde est prêt? Get ready! Bonne chance! Oui, et prends ton temps, hein! Je pense pas, non! Je vois. Fucking damn it. Ah.
Ok. Alors, ok, je vois. Voilà, ça va plus vite. Ah, ah, je vois. Ok. Super. Très bien. Ah, j'ai essayé de bloquer, mais on peut pas. Très bien.
Levez-le un peu. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Pourquoi tu levez-le maintenant? Ah. Très bien. Je vois. Je l'ai dit. Ah, d'accord. Ah. Bon. C'est ma précision qui est mauvaise. Mes excuses. Voilà, quand je joue pas avec la souris, c'est sûr que... Quand je joue avec la souris, c'est sûr que ça va mieux, là. Ok, je vois. Ah, c'est super chaud! Mais quel enfer ces trucs! Il me tabasse! Thank you.
Enfin, j'ai compris. Ok, on y est. Alors réfléchis, sois intelligent. Ok. Donc là on y est. Là une tente à boules. C'est pas babaf. Ah je vois. Et pas de glace. Ok, d'accord, c'était trop simple. Merde. Ah, je vois. Oups. Ah. C'est ça. There we go. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Attends, un appel en plein milieu de la course? Oui, alors? Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous avez rencontré les nouveaux monstres du donjon, non? Ah oui, ces espèces de poulpes. Ah, je m'en fous des poulpes, Tony. Les mythes, ils ont rajouté des mythes et ils sont énormes. Bah, et alors? Je déteste les insectes, elles sont dégueulasses! Ah, mon Dieu. Mais je savais pas que c'était... Mais tu savais pas que les mythes jouaient un rôle très important dans notre écosystème? Quoi? Je veux dire, ils pollinisent des fleurs, c'est de la bouffe pour les oiseaux et sont des bons indicateurs de la santé de l'environnement. Pour moi, c'est des bons indicateurs des endroits dans lesquels je veux pas vivre. Ah, les mythes, c'est nul. La course continue, allons-y. Au revoir. À plus.
pas plus de clés? Bordel de chatte. Bordel. Ah merde, attends. Ah oui, là, impeccable. Je vois. Ah! Rien fait. Ouh, ça passe, hein. Super, téléporteur. Ok, Hadouken. Teleport. Je me demande où il mène tous ces trous, il doit y avoir des secrets, je suis sûr. Ah, j'ai pas la clé. Tout en bas à droite, putain.
sûr que ça c'est la suite du coup. Ok, compris. Non, je me suis gouré, putain. Voilà. Ok, passe ratée. Yes. Yatazo. Ha ha. Je l'ai mangé le jeu. Ok. Ah, il y a des taches de sable sur le sol pour t'indiquer où est-ce que tu peux tomber, je vois. Impeccable. La clé. Deux monstres, allons-y. Ok, nouvelle énigme.
Ah! Ah, j'ai raté alors que j'avais le bon. Ok. Oh là là, de la soie en beurre. Stylé. Ok, alors. Ok. Impeccable. Ah, chier! À la limite du cul. T'es mort. Muda. Good. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Qu'est-ce que j'ai raté? Ok, je vois. Thank you.
Ok. Ça, c'est le gros pari, hein. Ouh ! Ouh ! Heureusement que je me suis entraîné sur ces saloperies, hein. Il s'est trompé de trou, c'est sexuel, lol. C'est sexuel. On est à combien, là ? Juste trop de dégâts. J'arrive pas à le... Les bulles, c'est pour le monstre central, ok. Quel enfer! Qui a Tazo? Muda. Impeccable. Cold mode. Ouh, bébé. Okay, on est dans les temps. On est dans les temps. Comment désactiver ça? Comment monter déjà? Là, je peux passer. Ok, là, j'ai le droit de passer, mais j'ai pas le droit de passer ailleurs.
Parce que ça, ça et tout ceci, c'est Keblo. À moins qu'il y ait un truc à activer. Et que je le sache pas. Bon. Léa. Bonjour, bonjour. Hé hey Léa, t'es là? Je viens juste d'arriver. Attendez, je suis dernier? Oh man. Mais c'est pas la fin du donjon, n'est-ce pas? Non, non, ça a l'air d'être une zone de repos au centre. Phew, ça veut dire que la course est pas finie. Ah, mais ce donjon est plein de puzzles. C'est vrai. On pourrait se reposer, il y a une marque ici après tout. Oui, c'est vrai. On te laisse choisir là, tu rentres le donjon dès que tu veux continuer la course. Il faut entrer ailleurs. D'accord. Ok, let's go. La race reprend, ouais, la musique. Allez. Deuxième phase de la course, c'est parti. Y'a pas à chier, hein. C'est la vie, ces trucs, quand même. Oh Mushiro! Ok, pas mal. Les mécaniques sont folles. Ah! Ah! Oh la vache.
Bordel de chatte. Comment on le bat, putain? Je peux briser son armure, mais... J'ai pas de plan. Je peux l'éteindre, sa barrière de flamme, mais après c'est la brume peut-être. Ça n'a rien fait. Peut-être en affectant ces CP de glace, ça fait aucun sens. Ce que vous racontez.